Maman, biso ndenge tozabo eto elinde mbongo. Muto ko sete ka yoko soutenir Kabila. Bazo kabula ba 10 000, 10 000, 10 000. Ndo mwe biso tuto toni a toze nande ba 10 000 na suka. Ok, mais soka pa, soka zate fuma kata kata. Soka zate a mbongo fore dima a. Toko bo mana fo bande to, toko mbeli nde bango. Toko mbeli nde bango. Non, juste à toi. Tu as face à mon kilique, non? Et ça, le marche moko pacifique. Premièrement, marche et bah, nous respecter l'ordre du président de la République. Le président de l'État d'urgence, il y a un moment où il a levé l'état d'urgence pour tout ça, la marche. La marche est tellement significative. Et ça, pour déclarer l'intérêt à la population. Le lot est à dollars. Le lot est à l'institution de Sambo qui est comme bafoué. Et ça, c'est la vérité. Il y a un monopole à Balabala. Il y a un tournoi de l'arsenal face à monde qui est non. FCC Pézaka est fort. Pékos Alaka fort. Nous sommes toujours là avec notre tour. Joseph Kabila Kabang. Eh bien, et là, on a Koloba, Mboka, Ezali, Abisso, Nyonso. Les lots, ceux qui m'ont camboué, c'est que ça, la meilleure marche. Démocratie, on a gagné en 1990, le 24 avril, on a permis qu'il y ait multipartisme. On a gagné sa vie, on a gagné sa vie. On a gagné sa vie, on a permis qu'il y ait sa vie. Et bien, on a zongi, on a moni li kambo yango, ya marche, ya FCC. Tant qu'on a tourné, dengue ni makambo yango eko salama, na mona ki raison zala ki valable. Yango na loba ki na accompagné pe président honoraire. Oyoke, ngai naye, tozana 50 ans ya pouvoir. Ngana sali 32 ans, ya sali 18 ans. Soko tali o sali 32 plus 18, ezo pesa 50 ans. Yango naye ko accompagné et puis na kolandana na maloba ya mokonzi ya ekolo na ndenge alobela ki makambo ya état d'urgence tango alongoli yango marche salami yango to tosi pe mobeko ya mokolo. Vraiment en tout cas Bosenga nanga zalaka tant on a permetta qui multipartisme et ça la mebe. Arrivé à ce niveau ici à Awa et Sika Otozali Siko bateau bakozo direction il y a école Sévigné, il y a un espace là-bas
na kati espace wana esika oyo boye ba ko sala activité na bango groupe moko ya moke ya batu mitano to sambo bango ba ko longwa sous bon encadrement ya ba policiers qui na ti na palais du peuple pour na déposer memo na bango esika ba ko sala lecture ya memo je crois que esiki wana mais jusque là jala totale mon panjo kuna mon panjo kuna totale ba bitu ton panjo kuna. Nous avons marché, vous avez vu derrière moi une grande masse de la société civile. Cela veut dire, nous la population, pendant que les politiques se battent, c'est nous qui souffrons. Voilà pourquoi à l'appel de la marche, nous sommes venus. Nous sommes venus non seulement en conservant les gestes barrières, parce que nous sommes pendant la période de la Covid, mais interpeller les politiques pour leur dire, voilà que les pains coûtent maintenant, c'est que les pains de 200 francs coûtent maintenant 300 francs. Botte de matembele coûte maintenant 1000 francs. Alors nous disons, pendant que vous battez, nous maintenant nous souffrons. Mais entendez-vous, si vous avez choisi la coalition, mettez-vous en coalition, aidez le pays à aller de l'avant. C'est ce que nous cherchons. Nous ne voulons pas que nos enfants souffrent. Est-ce qu'on a besoin que les enfants souffrent? Qu'on tue nos enfants dans la rue? Voilà pourquoi vous avez vu aujourd'hui. Aucun incident. Parce que nous sommes disciplinés, nous avons dit à nos enfants, on ne se bat pas. Il faut montrer dans l'autre camp qu'on ne peut pas se battre. Nous sommes les enfants d'un même pays, pourquoi nous allons détruire ce que nous-mêmes nous avons construit? On ne détruit pas ce qu'on a construit par la souffrance, par dans la misère, on se bat pour construire. Mais maintenant, nous allons les détruire pour faire quoi? Et quand nous détruisons, nous faisons plaisir à qui? Voilà pourquoi nous marchons, pour dire que la population soutient. Il soutient quoi? Le respect de la Constitution. La Constitution a été acceptée par tous les Congolais. Il y a eu un référendum, maintenant nous avons accepté et nous avons notre Constitution. Nous devons le respecter. C'est ça notre tableau de bord. Nous devons respecter la Constitution. Non seulement ça, nous voulons la paix, nous, la population. Nous n'avons pas besoin de tout ce qui se passe. Hein? Nous n'avons pas besoin de ça. Nous avons besoin de bien manger. Que les matembele rentrent à 300, 200 francs comme d'habitude. Et que nous puissions dormir dans la sécurité. Aujourd'hui, nos frères qui sont à l'Est sont en train de mourir pendant que nous marchons ici. Et meurent chaque minute, chaque heure. Alors, qu'est-ce que nous avons fait ?